Son Excellence Monseigneur Fridolin Mbongo, archevêque de Mbandaka, vice-président de la CENCO. Distingués invités, mesdames et messieurs, depuis le 8 décembre 2016, les acteurs politiques et sociaux de la République démocratique du Congo ont entrepris, sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, des négociations directes en vue de trouver une solution pacifique à la crise sociopolitique que vit notre pays autour de l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes. Au moment où s'achèvent ces négociations, il est juste et bon de rendre grâce au Dieu d'amour, maître de l'histoire, qui s'est manifesté à nous à travers son Fils unique Jésus-Christ, lumière du monde, espoir des nations, prince de la paix. À lui qui nous rassemble en un seul peuple, puissance, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il me soit permis d'adresser un hommage mérité au chef de l'État, Son Excellence M. Joseph Kabila, qui a eu l'intuition de réaliser que la solution de la crise sociopolitique dans laquelle est plongé notre pays soit trouvée dans un cadre plus inclusif et de discussion directe entre parties prenantes et a, à cette fin, encouragé la mission de vos offices de la CENCO. La Conférence épiscopale nationale du Congo exprime sa gratitude très respectueuse et fraternelle à l'endroit du Saint-Père, le Pape François, pour sa sollicitude pastorale et sa proximité spirituelle manifestée personnellement et à travers la nonciature apostolique envers la République démocratique du Congo et ce, en soutenant la mission de vos offices de la CENCO auprès des acteurs politiques et leaders de la société civile engagés dans une démarche de synodalité patriotique à trouver une solution pacifique aux questions de l'heure. Mes hommages à vous tous, chers acteurs politiques et représentants de la société civile qui avez participé aux présentes assises assisté de vos experts. Vous vous êtes mobilisés à traiter les différentes questions de divergence retenues. Vous l'avez fait avec sérieux, détermination et quelquefois avec passion. Même quand le débat était houleux, vous vous êtes surpassés pour atterrir avec des propositions constructives. Grâce à votre patience, et à votre ténacité,
sous l'impulsion de vos autorités morales respectives, aujourd'hui, nous sommes heureux d'aboutir à un compromis politique inclusif. Il est votre œuvre. La CENCO n'a offert que l'accompagnement et les cadres d'échange direct. Elle l'a fait avec un grand amour patriotique et le sens de service du peuple congolais. Chers délégués, vous avez fait preuve de bonne volonté politique et d'engagement responsable pour sortir le pays de la crise. Vous avez démontré devant le peuple que vous êtes capable de lui donner d'espérer. Soyez-en fiers. Le peuple congolais vous en félicite et la CENCO vous en remercie. Notre gratitude s'adresse aussi à toute la communauté internationale dont les soutiens multiformes ont contribué énormément à cet aboutissement heureux de la mission des beaux offices de la CENCO. Nous comptons encore sur son accompagnement dans le processus de la mise en œuvre du présent accord politique. Les professionnels des médias méritent aussi notre remerciement. Leur présence quasi permanente au centre interdiocésain de Kinshasa durant cette période de négociation pour couvrir les événements démontre en suffisance l'intérêt qu'il porte au devoir et droit à l'information. Nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont assistés techniquement par la prière et par des conseils. Que notre Père Céleste, source de tout don parfait, les comble de ses bienfaits. Chers compatriotes, une chose est de disposer d'un accord politique. Sa mise en œuvre en est une autre. À ce propos, la CENCO invite toutes les parties prenantes au sens des responsabilités en vue d'exécuter les résolutions de cet accord dans un esprit patriotique en plaçant l'intérêt supérieur de la nation au cœur de leurs préoccupations. Nous comptons beaucoup sur le Conseil national de suivi de l'accord politique dont la présidence est confiée au patriarche M. Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Point le besoin de le rappeler, en s'engageant à offrir ses beaux offices pour amener les acteurs politiques à cet accord politique inclusif, la CENCO n'avait pour objectif principal que le bien-être du peuple congolais. En effet, un accord politique global et inclusif était nécessaire pour la stabilité et la consolidation de la démocratie en notre pays. Il s'y est de mentionner que cet accord tombe providentiellement à la fin de l'année 2016 et la veille d'une année nouvelle. Il peut être accueilli comme un cadeau de Noël et de Nouvel An. Nous estimons que c'est l'un des meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir au peuple congolais à ces temps précis. L'accord politique pour lequel la CENCO a offert ses beaux offices a l'avantage de fixer l'opinion principalement sur les points suivants. 1. Le second et dernier mandat du président de la République qui s'est achevé le 19 décembre 2016 n'est pas renouvelable. Le chef de l'État n'abrigera pas un troisième mandat. 2. Cependant, le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. 3. Les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales seront tenues avant fin décembre 2017. 4. Aucune tentative de révision de la Constitution
et de son changement ne sera consenti pendant la période préélectorale et électorale. 5. Les parties prenantes ont convenu, entre autres, des dispositions majeures suivantes. A. Durant toute la période préélectorale et électorale, le Premier ministre sera issu de l'opposition non signataire de l'accord politique du 18 octobre 2016, en l'occurrence, plus précisément, du Rassemblement, et exercera le pouvoir lui dévolu par la Constitution. B. La mise en place du Conseil national de suivi de l'accord, composé de 28 membres et dirigé par le président du Conseil des sages du Rassemblement, assisté de 3 vice-présidents, d'un rapporteur et d'un questeur. C. La redynamisation de la CENI, notamment par le renforcement du contrôle de sa gestion technique et financière. À notre humble avis, le présent accord politique constitue une pierre précieuse pour la consolidation de la démocratie dans notre pays. Aussi, invitons-nous le peuple congolais à redonner confiance à l'ensemble des acteurs politiques et sociaux signataires de cet accord politique et à veiller à sa stricte application. Que Dieu bénisse le peuple congolais, qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Bonne et fructueuse année 2017 à tous. Je vous remercie. La maison.